you're coming along. Yesterday, I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on, like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. What you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just the thought of those sweet ladies as they shiver out through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me. Troubles will be few.
right. You're bloody well right. You know you got a right to say.
Mesdames, messieurs, dans quelques instants, la cérémonie va commencer. Merci de bien vouloir prendre place et vérifier que vos téléphones portables sont éteints. Attention, il n'y aura pas d'entracte. Si vous avez besoin de sortir de la salle pendant la cérémonie, merci de le faire le plus discrètement possible. Someone just to see him. He ain't had no loving. It's part of a reason to rhyme. And the whole world will love him. And it's not as though he's fat. Now there's more to it than that. See, he tried to play it cool. Good things comes to those that wait. But recently he could see that it may come but too late. Madame la députée et vice-présidente du Conseil régional du Languedoc-Roussillon, Monsieur le président de la communauté d'agglomération de Montpellier, Monsieur le président de l'Université de Montpellier II, Monsieur le président de Polytech Connect, Monsieur le directeur de Polytech Montpellier, chers invités, chers collègues, chers parents, chers étudiants, bonjour. Good morning. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver devant vous sur ce plateau de cette prestigieuse salle Berlioz pour la cinquième fois. En 2004, j'ai eu le privilège de coordonner le premier symposium de Polytech. En 2007, on a fait appel à moi pour animer la cérémonie officielle du deuxième symposium et en 2008 et 2012 pour la cérémonie des remises des diplômes comme aujourd'hui. C'est une cérémonie à la fois solennelle et de très grand bonheur. C'est une journée qui va réunir les nouveaux diplômés, les institutionnels
et certains de nos partenaires. C'est surtout une journée pour nos familles qui vont célébrer la réussite de leurs enfants et les réussites de notre école. Tout à l'heure, la promotion 2012 va recevoir officiellement ses diplômes d'ingénieur. Auparavant, nous entendrons quelques allocutions sur la promotion sortante de l'école et le diplôme d'ingénieur. Mais d'abord, un vidéoclip intitulé « Souvenirs de promo ». Es hora de arreglarse, la noche está que arde. Let's go and move your body, que no pare, pare, que no pare. Vamos, que ya llegó el momento, ponle más sentimiento, que no se acabe el tiempo. I want to see your body, que no pare, pare, que no pare.
On passe tout de suite à l'ouverture officielle de cette cérémonie. Et pour cela, je fais appel à monsieur le professeur Serge Pravosudovic, directeur de l'école. Mesdames, messieurs, bonjour. Vous avez vu, ils n'ont pas l'air malheureux, nos étudiants. Avec toute mon équipe et tout le personnel de l'école qui m'accompagne aujourd'hui pour organiser cette manifestation, nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir dans cette magnifique salle qu'est l'Opéra Berlioz du Corum. Nous continuerons la cérémonie un petit peu plus tard dans les autres étages du Corum. Pour cette remise des diplômes à la promotion 2013, la 42e promotion de Polytech Montpellier. Alors, une remise des diplômes, c'est toujours un moment intense dans une école d'ingénieurs, c'est un moment important, c'est un jour de fête, c'est une fête pour l'école, c'est une fête pour nos étudiants, nos diplômés, ceux qui seront diplômés tout à l'heure, mais c'est également une fête pour les familles. Une remise des diplômes un dimanche. Certains m'ont dit ce matin, mais qu'est-ce qui lui arrive? Quelle idée de faire une remise des diplômes un dimanche? Alors, je vous dois quand même une petite explication à cela. J'ai absolument tenu à ce que cette remise des diplômes puisse se situer dans ce lieu prestigieux qu'est le Corum de Montpellier. Cela fait plusieurs fois que nous faisons cette remise des diplômes ici et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. J'estime que nos élèves le méritent bien. Cette année, nous avons eu un petit problème de date. En fait, la disponibilité du quorum nous permettait de faire la remise des diplômes qu'aujourd'hui. Donc nous avions un choix difficile à faire. Soit faire une année blanche et ne pas diplômer d'élèves cette année. C'était une solution. Soit conserver cette date. J'ai bien sûr choisi la deuxième solution. En tout cas, merci d'être présent ce matin parmi nous pour accompagner nos diplômés. Et nous devrions avoir une cérémonie particulièrement animée et même ponctuée de quelques surprises. Alors, je ne les connais pas toutes. Le directeur ne connaît pas tout ce qui va se passer tout à l'heure. Mais nous le découvrirons ensemble. Alors, je voudrais remercier l'agglomération de Montpellier, donc, qui nous a aidés dans le montage financier de cette manifestation, et excuser son président, hein, qui n'a pas pu se libérer ce matin. Nous devrions recevoir également tout à l'heure Madame Ledin, députée et vice-présidente du Conseil régional, qui devrait arriver. Elle m'a dit qu'elle arriverait. Nous l'attendons. Madame Ledin est une fidèle à la remise des diplômes de Polytech. Je voudrais également saluer tous les amis et toutes les familles qui nous regardent depuis les quatre coins de la France et depuis l'autre bout du monde, car, mesdames et messieurs, nous sommes filmés. Les caméras doivent être quelque part par là. Et la cérémonie est retransmise donc en direct. Et comme ça, les familles peuvent nous voir depuis l'autre bout du monde. Et je remercie la Web TV de l'UM2 qui assure la diffusion de cette cérémonie. Alors, un petit mot maintenant sur cette promotion 2013 de Polytech. 310 diplômés. Oui, ce sont 310 élèves qui recevront leur diplôme tout à l'heure et qui rejoindront la communauté des anciens élèves de l'école, soit 8000 diplômés au jour d'aujourd'hui. Alors, 310 diplômés dans 8 spécialités. Je ne vais pas citer toutes les spécialités, vous les verrez longuement tout à l'heure lors de la remise des diplômes, mais je voudrais en mentionner deux particulières. Alors, deux particulières, d'une part parce qu'elles sont délocalisées, elles ne sont pas sur Montpellier, et d'autre part parce qu'elles sont menées en partenariat. Donc la première est mécanique structure industrielle, qui est localisée sur le site de Nîmes, qui a aussi la particularité d'être une spécialité par apprentissage, et qui est menée en partenariat avec le syndicat national de la chaudronnerie et de la tuyauterie. Et je tiens à souligner la présence ici de M. Belguiral, qui représente le SNCT, et qui nous dira quelques mots tout à l'heure au moment de la remise des diplômes à cette spécialité. Je voudrais également donc souligner une deuxième spécialité, qui est la spécialité énergétique énergie renouvelable.
ENR, donc, qui elle est localisée à Perpignan et qui est menée en partenariat avec nos amis de l'Université de Perpignan. Et je tiens à excuser l'absence de son président qui a pu se libérer ce matin pour nous rejoindre et participer à cette remise des diplômes. Donc avant de m'adresser une dernière fois à nos élèves, je voudrais tout d'abord dire quelques mots aux parents qui nous font le plaisir et l'honneur de nous accompagner aujourd'hui. Chers parents, quand je dis chers parents, je vais peut-être vous rejoindre tout à l'heure parce qu'il y a quelque part ici dans l'Assemblée, dans les diplômés, une petite tête blonde que je connais particulièrement, que je connais depuis 25 ans. Alors, chers parents, je sais pertinemment que pour vous, ce n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Vous les avez élevés, vous les avez éduqués, accompagnés pendant ces longues années d'études, et même quelquefois, vous les avez portés ou supportés. Il y a quelques années maintenant, vous nous les avez confiés, 3 ans pour certains, 5 ans pour d'autres, ceux qui sont passés par le parcours préparatoire. Vous nous les avez confiés pour finaliser leur formation. Donc nous avons transformé en fait toutes les connaissances qu'ils avaient apprises tout au long de ces longues années d'études en compétences professionnelles. Et ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, chers parents, c'est que maintenant ils sont prêts. Ils sont prêts à affronter cette nouvelle vie qui les attend, cette vie professionnelle. Alors aujourd'hui, c'est un jour de fête, c'est un jour de joie. Vos enfants vont enfin décrocher ce fameux passeport pour l'emploi, mais je sais que c'est peut-être aujourd'hui aussi un déchirement de les voir partir, de les voir prendre leur autonomie et s'éloigner du foyer familial. En tout cas, chers parents, sachez que notre fierté, c'est leur réussite et que vous aussi, vous pouvez être fiers de vos enfants. Quelques mots maintenant et mes derniers mots seront pour nos élèves. Chers élèves, je vais tout à l'heure vous remettre ce fameux diplôme que vous attendez tant, ce diplôme d'ingénieur et qui va signifier pour vous que vous allez passer de la vie d'étudiant à la vie professionnelle. Alors, votre vie d'étudiant a été bien rempli. On l'a vu tout à l'heure sur le clip vidéo. Je peux aussi en témoigner pour avoir vu les étudiants au quotidien, pratiquement tous les jours dans mon bureau pour monter de nouvelles manifestations. Chers élèves, j'espère simplement que vous garderez toute cette énergie pour votre vie professionnelle et surtout, ne changez pas. J'espère que cette vie sera aussi animée que celle que vous avez vue, que celle que vous avez eue à Polytech. En tout cas, exercez votre métier avec passion, c'est ce qui en fera sa richesse. Alors, je vais vous remettre ce diplôme, et avec ce diplôme, vous trouverez également une lettre de ma part avec mes dernières recommandations. Je n'ai pu y résister. Je ne vais pas toutes vous les donner ici, mais je mettrai un focus sur quelques-unes. Dans votre vie professionnelle, vous serez probablement très occupé à imaginer ce nouveau monde, à monter des projets, à chercher des financements, à rendre des bilans, à chercher des nouveaux marchés. Vous êtes préparé pour ça et normalement, maintenant, vous savez le faire. Pendant ces moments qui seront intenses, je vous demande de ne pas oublier de temps en temps de vous arrêter, de vous poser, de prendre un petit peu de recul, de réfléchir, de penser au vôtre et surtout de penser à vos parents qui vous ont accompagné jusque-là. Un petit coup de fil de temps en temps, c'est un merveilleux cadeau que vous pouvez leur faire. Chers élèves, en recevant ce diplôme, vous devenez également des ambassadeurs de l'école. Donc sachez que vous ne serez jamais seul concerné dans les relations professionnelles que vous aurez. L'image de l'école sera également avec vous, donc portez haut cette image de l'école. Une dernière chose, vous avez profité pendant vos études de l'apport des anciens qui sont passés avant vous dans l'école. Les anciens sont intervenus sur certains cours.
ils vous ont amené des projets, des stages, et maintenant ils sont là pour votre embauche. Donc ce que je vous demande, c'est de penser aux générations qui arrivent derrière vous, aux plus jeunes, et de revenir vers l'école de temps en temps. Gardez le contact avec l'école, gardez le contact avec vos départements. Voilà, chers élèves, je vais passer maintenant le témoin à l'association des anciens élèves de l'école. Vous allez rejoindre cette communauté des 8000 diplômés actuellement en activité. Et pour cela, je vais appeler le président de l'association des anciens élèves, monsieur Julien Sainte-Catherine. Julien, s'il te plaît, si tu peux me rejoindre, je vais te passer le témoin. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle cérémonie et sachez encore une fois que notre fierté, c'est votre réussite. À tout à l'heure. Julien. Bonjour à tous, Julien Sainte-Catherine, je suis le président de l'association Polytech Connect qui a pour vocation d'animer et de fédérer toute la communauté donc des diplômés de notre école. Tout d'abord, pour commencer, je voulais vous féliciter tous pour l'obtention de votre diplôme qui couronne de longues années d'études. Et je suis sûr que les dernières furent passionnantes et que vous avez passé d'excellents moments à Polytech et vous verrez, vous allez vous en souvenir très très longtemps. Mon rôle aujourd'hui, c'était juste de vous rappeler que Polytech, ce n'est pas seulement l'école où vous avez passé ces 3 voire 5 dernières années, mais c'est également un réseau de plus de 8000 diplômés qui est présent un peu partout à travers le monde, aussi bien dans des PME que dans des grands groupes. Et je ne peux que vous inviter à découvrir ce réseau et à l'exploiter parce que c'est une formidable opportunité de contact et d'échange pour vous, d'autant plus que vous allez arriver dans une phase cruciale qui est l'entrée dans le monde professionnel. Juste pour terminer, donc je vous invite à nous rejoindre. Vous verrez qu'on a développé avec une poignée de bénévoles divers services, bien entendu un annuaire en ligne pour pouvoir échanger avec les anciens, mais également des offres d'emploi exclusives avec des partenaires, des formations interactives en ligne au management et également une assurance juridique qui vous protège dans votre vie professionnelle en travaillant notamment avec l'IESF qui est le réseau des ingénieurs et scientifiques de France. Avant de terminer, juste vous rappeler qu'un réseau des anciens, c'est très très important. La valeur de vos diplômes demain sur le monde du travail, elle ne tient qu'à nous. On est dans une économie qui est de plus en plus compétitive. On voit qu'il y a des diplômes qui fleurissent chaque année. Et si vous voulez que ce diplôme aujourd'hui ait une valeur demain dans le monde professionnel, il faut absolument qu'on ait un réseau des anciens qui soit très fort et qui porte haut les couleurs de notre école. Donc je vous invite à nous rejoindre, on a une offre de bienvenue pour les diplômés de cette année avec 20% de discount sur les cotisations et on espère vous retrouver très très nombreux et pouvoir continuer à continuer cette expérience Polytech à travers des échanges riches et fructueux. Merci beaucoup. Merci messieurs. Comme vous le savez sans doute, notre école fait partie d'un vaste réseau qui comprend 13 écoles universitaires d'ingénieurs, le réseau Polytech. Voilà un message de M. René Le Gall, coordinateur du réseau. Bonjour à toutes et à tous. En tant que coordinateur du réseau Polytech, je m'associe au directeur de votre école pour vous féliciter, vous, les nouveaux ingénieurs diplômés d'une école du réseau Polytech. Vous faites partie du plus grand réseau français de formation d'ingénieurs. Le réseau Polytech, qui regroupe 13 écoles, a déjà formé plus de 60 000 ingénieurs, soit environ 8% des ingénieurs en France. Ce réseau constitue une force pour les écoles, bien sûr, mais aussi et surtout pour vous, ses diplômés. Grâce aux différentes associations de diplômés et à leur fédération nationale, le réseau Polytech vous permet notamment de rechercher un emploi, de faciliter l'embauche de nouveaux diplômés, de participer à des débats ou des rencontres. La notoriété du réseau augmente rapidement en France et aussi à l'étranger, auprès des entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité.
Je vous souhaite à toutes et à tous une vie professionnelle pleine et épanouie. Et vous invite à continuer d'être fier d'appartenir au réseau Polytech en gardant tout au long de votre carrière des contacts avec votre école et les associations de diplômés. Encore une fois, félicitations. Je fais appel à présent à Monsieur le professeur Michel Robert, président de l'Université de Montpellier II, pour nous dire quelques mots. Bien, je ne vous vois pas, mais vous me voyez. C'est vrai que, surtout un dimanche matin, ce n'est pas évident de mettre son réveil. Mais enfin, j'avais marqué sur mon agenda qu'il y avait Daniel Villanova, et c'est un grand artiste qu'on va avoir aujourd'hui l'occasion d'écouter, et qui va nous permettre aussi de relativiser beaucoup de choses. C'est-à-dire que cette excellence qui est la vôtre, elle dépasse le cadre des diplômes, et que tout le monde peut réussir effectivement dans sa vie professionnelle en fonction de ses talents et en fonction bien sûr de ses choix. Donc aujourd'hui, c'est une symbolique forte puisque c'est la fin d'un cycle pour vous, c'est le début surtout d'un nouveau cycle qui va donc bien faire qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez appartenir à une nouvelle communauté, celle des anciens. Et je vais essayer dans ces quelques mots de parler évidemment de l'université de Montpellier II, mais aussi de quelques messages qui me semblent importants. Alors, j'ai marqué sur ma feuille diplôme d'ingénieur de Polytech Montpellier. Alors, effectivement, diplôme d'ingénieur, c'est un diplôme, c'est une clé d'accès extraordinaire dans ce pays. On vient de le voir avec cette présentation de Polytech, donc cette force d'un réseau. C'est une clé d'accès, mais bien sûr, il va falloir vous insérer dans cette vie professionnelle et vous adapter aux changements qui sont nombreux dans cette période. Et donc, effectivement, vous avez une chance extraordinaire. C'est d'une part d'être diplômé d'une école d'ingénieur, Polytech, avec sa réputation, mais aussi de l'université de Montpellier, Montpellier II. Et c'est ces deux atouts qui vont être importants, surtout quand vous irez à l'étranger, où vous verrez qu'au niveau international, on va plutôt parler de master, on va plutôt parler de PhD, donc de docteur. Et donc, la culture ingénieur n'est pas forcément la même suivant les pays. Donc, c'est important aussi de bien comprendre cette dimension internationale. Et à partir de là, on parle ce matin de fierté. Eh bien déjà la fierté d'appartenir à une université dont Montpellier II, c'est plusieurs composantes. Autour de Polytech, nous avons aussi les filières DUT sur Nîmes, sur Montpellier, sur Sète, sur Béziers. Et beaucoup d'entre vous sont issus aussi de ces filières. C'est aussi la faculté des sciences pour les licences, les masters. C'est aussi l'IAE qui vous donne une double compétence entre le management et la science, on va dire. Et aussi une faculté d'éducation. Et ce qui est important, c'est de voir que derrière ces composantes, nous avons aussi, bien sûr, les écoles doctorales, les laboratoires, qui sont des vraies pépites. Ce sont des unités mixtes de recherche avec les plus grands organismes nationaux, à rayonnement mondial. Et bien sûr, la force de notre établissement, c'est que vos enseignants-chercheurs sont dans ces grands laboratoires qui ont accompagné votre formation. Alors, on parle beaucoup de classement. Dans les classements internationaux, Montpellier II apparaît toujours, de par ses caractéristiques, dans les 10 meilleures universités en France. Et si on regarde un classement international qui est sorti l'année dernière, c'est le Times Higher Education. C'est un classement qui a classé les universités créées il y a une cinquantaine d'années, donc même si la faculté des sciences est beaucoup plus ancienne, l'université Montpellier II est quand même assez récente, Montpellier 1, 2 et 3, donc on est dans l'après-68 ou dans les années 60. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on est arrivé sur des critères qui ont associé aussi bien la recherche et l'excellence scientifique, mais aussi la formation, les débouchés et surtout l'innovation. Et on est arrivé dans un classement qui est la 32e position
à l'échelle mondiale, ce qui est quand même assez remarquable. Et si on avait rajouté un quatrième paramètre, qui était finalement une forme de rapport qualité-prix, c'est-à-dire le coût des formations tel qu'il est pratiqué dans ce pays, je pense qu'on serait dans les 5 premiers au niveau de la planète, parce que vous le savez très bien, c'est l'État, ce sont nos impôts qui ont investi pour avoir ces niveaux de formation qui font que les tarifs d'inscription sont évidemment incomparables avec ce qui se pratique dans la plupart des pays. Donc, ces éléments sont importants, hein, ils vont se chiffrer autour d'environ 50 000 euros si on devait prendre en compte un certain nombre de coûts pour avoir ce type de diplôme. Eh bien, il faut comprendre que c'est évidemment un investissement fort qui est fait par l'État, bien sûr par vos parents, par tous ceux qui nous accompagnent, je pense aux collectivités représentées, hein, l'agglomération, la région qui investit aussi dans nos établissements. Et donc tout ça, c'est ce qui fait donc ce rayonnement. Et ce qu'on attend, bien sûr, c'est dans votre parcours professionnel un retour sur investissement, parce que vous allez être dorénavant les ambassadeurs de nos formations. Et nous comptons sur vous parce que vous avez vu l'importance du stage dans l'insertion professionnelle. Et donc, il est important que vous restiez en contact pour ce que le réseau Polytech s'appuie aussi sur vous. Et ce réseau, eh bien, sa force, c'est sa vitalité et son évolution. Alors, je vais dire aussi quelques mots sur les grands défis. Et donc, quand on regarde un petit peu les formations universitaires, on pense aux disciplines. Et quand je regarde les diplômes, donc les 8 formations aujourd'hui, et bientôt 10 demain, mais aujourd'hui nous avons 8 spécialités, hein, qui vont faire l'objet de ces remises de diplômes, elles sont toutes porteuses de défis. Je regarde, donc je les balaye rapidement, les matériaux d'aujourd'hui, certes, les matériaux de demain, les biomatériaux, l'énergétique, donc cette filière sur Perpignan, qui est porteuse aussi de beaucoup d'attentes de la société sur les énergies, des énergies de demain, les énergies renouvelables, la microélectronique et l'automatique, je ne serai pas forcément objectif puisque c'est mon domaine, c'est là où j'enseigne à Polytech, enfin où j'enseignais jusqu'à ce que je sois président. Donc c'est évidemment tous les systèmes embarqués, tous ces capteurs qui nous environnent et tous ces traitements d'informations de plus en plus sophistiqués. On met aujourd'hui plus de transistors sur une puce de silicium que d'habitants sur la planète. C'est la mécanique et les structures industrielles, c'est une très belle réussite au niveau de l'apprentissage aussi. Il faut souligner cette force de Polytech. Évidemment, toutes les structures, on a besoin de ces structures chaudronnées. L'informatique et la gestion, évidemment, l'informatique est partout et ce double diplôme a sa spécificité très forte. Les sciences et technologies de l'eau, qui sont porteuses en elles-mêmes d'un défi, l'eau, des ressources jusqu'au traitement. Les sciences et technologies d'industrie alimentaire, on voit bien tous les défis au niveau de l'alimentation sur notre planète et donc toute cette industrie de l'alimentaire. Et mécanique et interaction, où là aussi, sur ces aspects-là, on s'aperçoit que tout reste à faire encore sur beaucoup de sujets. Je pense notamment aux Fab Labs, aux imprimantes 3D, à tout ce qui va révolutionner le monde de l'industrie et la société après le numérique. Voilà, tout ça pour dire que vous avez beaucoup de chance, parce que c'est parce qu'un certain nombre de collègues, d'abord les pionniers que je salue, les anciens directeurs de l'école qui, à 44 ans, ont lancé ces défis. Je pense que c'était des vrais visionnaires. Et il faut, c'est ça aussi l'université, la prise de risque, des visionnaires qui, à un moment donné, ont pris le pari de développer des filières d'ingénieurs dans les universités, en commençant par Lille, Clermont-Ferrand et Montpellier, et qui, aujourd'hui, on voit les résultats. Polytech, c'est évidemment une réussite dont vous allez pouvoir profiter. Et donc, je voudrais, puisque je parle des anciens, bien sûr, remercier aussi tous les enseignants-chercheurs, tous vos responsables d'année, les directeurs de département, tous les personnels techniques administratifs qui sont le socle, et c'est important, il n'y a qu'à voir aujourd'hui la logistique d'organisation de ce magnifique événement. Voilà, je pense qu'on va les applaudir parce qu'ils méritent vraiment.
Dans ma fierté, c'est leur réussite à eux. Ma fierté, c'est bien sûr votre réussite. Vous les avez applaudis, je vous en remercie, mais vous vous êtes aussi applaudis parce que vous le méritez vraiment. Donc je vous souhaite... Je vous souhaite donc de réussir votre vie, d'en profiter, de voyager, de découvrir le monde. Bref, de garder bien sûr toujours un petit rétroviseur sur ce qu'a fait aujourd'hui votre réussite, c'est-à-dire ce magnifique diplôme qui va vous être remis. Voilà, toutes mes félicitations à vous et bien sûr à vos familles. Merci. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, j'ai le plaisir d'écouter avec vous un air joyeux et enivrant joué par Blue Movement, le groupe de musiciens de Musitech rattaché au bureau des élèves de l'école, et au chant Christophe Pont. Voici Narcotique. Bonjour Polytech. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes réveillé? Bon, on va arranger ça alors. Touch your face, narcotic my home-laced Mary Jane. And I call your name like an edited cocaine cops for the stuff in red and black.
touch your face, mapping my family, Mary Jane. And I call your name, my cocaine. I don't mind, I think so. Ça va toujours? Ok, les paroles sont à l'écran, on compte sur vous. I don't mind, I think so, I won't let you go. À vous. I think so, I won't let you go. Plus fort. I don't mind, I think so. I will let you Merci. Merci à tous. Merci et bravo. Polytech Montpellier a déjà une tradition de collaboration étroite avec notre région, qui nous apporte un soutien important. Madame Anne-Yvonne Ledain, députée et vice-présidente du Conseil régional du Languedoc-Roussillon, vient chaque année pour nous en parler. Madame Anne-Yvonne Ledain. Bonjour à tous. Je viens chaque année à la demande de vos présidents. Je salue Michel Robert. Je salue Jean-Louis Cuc, ancien président également, et tous vos professeurs et vos directeurs, ainsi que votre directeur de Polytech, qui fait un travail formidable, que je saluerai à la fin. Je voudrais saluer vos parents également, parce qu'ils sont vaillants, d'abord parce qu'ils sont là un dimanche matin, que peut-être ils feront la fête après, mais à mon avis moins que vous. Donc les remercier pour ce dimanche passé, ce dimanche donné, et du travail fait avec vous, dans votre enfance, votre adolescence, les moments faciles, les moments compliqués, les moments difficiles, les moments de joie. Et aujourd'hui, c'est un moment de joie d'avoir ses enfants, son fils, sa fille, acquérir un beau diplôme, un diplôme d'ingénieur qui a une valeur nationale, une valeur internationale. Je crois que c'est un grand et beau moment pour des parents, pour une famille, et évidemment pour vous, qui êtes, si j'ai bien compris, à 90 ou 95% déjà dans l'emploi, au travail, au service de vous-même, de votre avenir, et de l'économie de votre pays, y compris à l'international et y compris dans les entreprises internationales. Donc, c'est un joli moment. Vous avez des jolies écharpes, d'une jolie couleur, et la vie est ouverte et la vie est belle. Donc, au nom du président du Conseil régional, Christian Bourquin, en mon nom personnel comme député de la Nation, je voulais vous dire que c'est un vrai bonheur d'être là dans cette belle salle du Quorum, la salle Berlioz, qui est une des plus belle salle de France au niveau des concerts et des opéras qui sont donnés, et aussi pour les congrès. Et d'avoir à Montpellier un endroit qui est prestigieux, qui accueille aussi bien des manifestations culturelles que des manifestations économiques et scientifiques,
puisque beaucoup de vos professeurs et beaucoup des chercheurs de nos laboratoires organisent ici, dans cette salle ou dans les deux autres qui sont derrière, des congrès scientifiques de très haut niveau, et bien vous dire que vous pouvez être fier de votre ville, fier de votre cité, fier de votre région. Et vous avez aussi maintenant, vous aurez, j'espère, à cœur d'emporter les couleurs partout où vous êtes, ici dans la région, à Montpellier ou ailleurs, ici en France ou ailleurs, et ici et ailleurs dans le monde. C'est une force et c'est une nécessité. Les entreprises dans lesquelles vous travaillez, ou les administrations dans lesquelles certains d'entre vous ont peut-être décidé de s'engager, ou les laboratoires, ont besoin d'avoir cette reconnaissance et cette image et cette vaillance que donne un cercle des élèves, des affinités, des amitiés construites au fil d'une formation et qui, au fil de la vie, construisent des relations personnelles, voire professionnelles, et affirment une identité de qualité et de haut niveau. Et j'espère, je pense, je crois que vous porterez bien les couleurs de votre école, de Polytech Montpellier, mais également de votre ville et de votre région, et pour dire haut et fort partout qu'ici, on travaille bien, on est vaillant, même s'il y a la mer et la Méditerranée, même s'il y a la montagne et les Pyrénées et les Cévennes, même s'il y a le soleil et la neige, la douceur de la vie, le plaisir des soirées d'été, eh bien, il y a aussi le cœur et la vaillance au travail. Et ce sont des valeurs à laquelle les gens du Sud ont toujours cru. Il arrive parfois que les gens du Nord pensent que ça n'est pas le cas. Et pour moi, qui suis une Bretonne 100% pur beurre, avoir décidé de venir vivre à l'huile d'olive, j'en ai découvert la saveur, le parfum, la douceur, la finesse. C'est un peu moins évident comme goût, mais c'est tellement plus parfumé. Alors, ayez la fierté de l'huile d'olive. Alors, dans vos grades et qualités actuelles, dans vos différents diplômes, différentes formations, et elles sont nombreuses, entre Montpellier, Nîmes, Perpignan, entre les formations par l'apprentissage, les formations directes par le métier d'ingénieur, vous avez toutes les palettes, vous avez toutes les compétences, vous avez tous les talents, vous pouvez créer votre entreprise, vous pouvez adopter le fait de partir dans une grande ou une petite. Vous avez cette chance-là, cette signature-là, et soyez vous-même, ayez le respect des autres. Sachez que les autres ont aussi des compétences qui ne sont pas forcément les mêmes que les vôtres et qui ont de la valeur. Et il faut croire en soi-même et croire en la vie pour croire dans les autres. On ne fait rien sans les autres, on ne fait rien sans sa propre force et sa propre énergie. Et il goûte de l'amour et de la gaieté, de la joie, de la musique et de votre propre intelligence avec son immensité et ce petit noyau qui est celui du cœur de la vie. Alors, bonne vie, bonne journée, bonne fête. Passons maintenant aux choses sérieuses. C'est-à-dire la remise des diplômes. Cette année, nous avons décidé d'attribuer des diplômes un peu particuliers. Pour vous expliquer de quoi il s'agit, je fais appel à nouveau à Monsieur le Directeur Serge Pravosudovic. Bien, on va rentrer dans le vif du sujet, donc avec cette remise des diplômes. On va entamer cette remise des diplômes non pas par des diplômes d'ingénieur, on va entamer cette remise des diplômes par des diplômes un petit peu particuliers qui sont des diplômes d'honneur. Alors, vous savez que dans une école d'ingénieur, il se passe beaucoup de choses. Il y a bien sûr la vie autour des études, autour des cours, autour des projets, des stages, etc. Mais il y a également une vie étudiante intense. Alors, une vie étudiante intense qui est généralement organisée par le bureau des élèves de l'école. Et je dois dire que sur cette promotion 2013, nous avons eu un bureau des élèves particulièrement actif.
Donc bien sûr, je voudrais remercier et féliciter tous les élèves qui ont participé à ce bureau et à toutes ces animations. Mais je voudrais remercier particulièrement le premier d'entre eux, le président du bureau des élèves, qui a tiré ça. Et pour ça, j'appelle à me rejoindre sur scène le président Armel Segrétin. S'il te plaît, Armel. Il ne s'y attendait pas. Donc voilà Armel Segrétin pour ceux qui ne le connaissent pas. Armel est un peu fou, mais il est génial. On a fait des choses super ensemble. Et Armel, je te remercie pour ce que... C'était chaud, hein. Je te remercie pour ce que tu as fait pour l'école et tu remercieras aussi tous ceux qui sont accompagnés. Donc je te remets ce diplôme d'honneur de Polytech Montpellier. Tu veux dire un mot ? Allez, un petit mot. Ce diplôme est pour tous et moi au BDE j'ai mis une unité d'énergie, j'en ai reçu 10 en face. Donc il y a eu pour tous les élèves, on a fait des trucs énormes et merci à tous pour tout ce que vous m'avez donné, c'était ouf. Et j'espère que vous êtes éclaté autant que moi. Armel, tu restes avec moi. Tu restes avec moi, on va remettre les diplômes suivants. Donc pour les diplômes d'honneur suivants, je vais appeler Lionel Torres. Lionel Torres qui est directeur adjoint chargé des relations industrielles, qui va remettre ses diplômes suivants. Lionel, s'il te plaît. Merci Serge, bonjour à tous. Alors, bien entendu, ces diplômes d'honneur vont récompenser un certain nombre d'élèves. Quand on en a discuté avec Serge, on s'est demandé, mais ce n'est pas évident finalement de remettre un diplôme d'honneur. Quand on voit le nombre d'étudiants qui s'investissent dans l'organisation d'événements, dans leur association, je crois que la première chose, c'est déjà de vous remercier. Quel plaisir de travailler avec vous. Chaque jour, quand on a ces étudiants qui viennent au bureau pour nous proposer des événements, je crois que c'est une récompense en tant qu'enseignant. Alors voilà, alors on va mettre à l'honneur un certain nombre d'élèves, bien entendu. Alors ce qu'on peut dire de ces élèves, c'est que je crois qu'ils sont arrivés à mobiliser. Mobiliser les élèves, mobiliser les enseignants et mobiliser les entreprises. Et de nombreuses entreprises. Et je crois qu'aujourd'hui, parmi nous, il y a un certain nombre d'entreprises qui pourront en témoigner. Je pense que si tout à l'heure vous discutez avec ces entreprises, elles vous diront un grand bien de ce qu'ils ont fait. Ils ont travaillé dans le cadre de la création, de l'innovation. Et je me souviens, alors juste une petite anecdote, la première fois que je les ai vus dans mon bureau, ils n'ont pas vendu leur projet, ils ont dit « Moi, l'image que j'ai effectivement du monde, c'est un monde en mutation. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut en extraire les richesses, il faut en extraire des biens et des valeurs. » Alors je me dis là, chapeau. Ils sont déjà avec une maturité qui va, à mon avis, leur donner aucun problème pour obtenir leur diplôme. Après, ils sont passés à l'acte. Et là, je crois qu'on a même, c'est-à-dire, je crois qu'on n'a pas suivi. Hein. Je crois que ça a été difficile. Chaque 6 mois, un événement nouveau. Certains, Madame la députée, Madame la vice-présidente, sont phares sur Montpellier. On a créé des sociétés. Donc, issus de ces événements, 4 sociétés ont été créées réellement de l'emploi. On a organisé et ils ont organisé un événement au niveau du réseau Polytech. Un événement qui est devenu même phare. Voilà. Alors, je vais arrêter là et je vous laisse découvrir un petit film qui va présenter leur activité. In the house tonight, oh. Everybody just have a good time.
pretty girl, she on my jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans tattooed cause I'm rock, rock. Half black, half white, diamond now. Gang money, open up. Bien, vous avez vu qu'ils ont été, ils ont été impliqués, tellement impliqués qu'à un moment donné, on a eu peur parce qu'ils voulaient faire un feu d'artifice sur le campus. Notre cher président nous l'a gentiment interdit, raisonnablement d'ailleurs. Mais je crois que maintenant, ce sont leurs fêtes. Alors, j'appelle Anthony Matini pour ce diplôme d'honneur. Anthony. J'appelle Anthony Astoul. Et j'appelle Thibaut Rouquette. Toutes mes félicitations. Allez, je crois qu'on peut les applaudir très fort. Bien, bien avec nous. Merci. Oh, ces jeunes de Polytech, je les adore. Ouh, ils sont gentils, polis, attentionnés avec moi. Franchement, hein, on ne dirait pas des ingénieurs. J'ai dit une bêtise. Il faut me le dire si je dis des bêtises, parce que je ne suis pas habitué, moi, à parler devant le monde comme ça. Mais Polytech, franchement, c'est la meilleure place que j'ai eue de toute ma carrière. Et pourtant, j'ai une longue carrière dans les écoles, vous pouvez me croire. Le bureau des élèves, par exemple. Un bureau des élèves, en principe, on a été jeunes, on sait tous ce que c'est. Moi, le bureau des élèves dans mon école, à Bourougnan, au village, tu mettais un pied quand tu voulais le lever pour avancer. Il te fallait quitter la chaussure, tellement ça pégait de partout. Là, à Polytech, champion, hein, pas une tâche. C'est pas qu'ils s'amusent pas. Ils sont jeunes, ils sont pleins de vie, surtout à cet âge-là, vous m'avez compris. C'est pas la peine d'être ingénieur pour avoir les énergies renouvelables. Non, ils aiment rigoler, c'est pas ça la question. L'autre fois, j'ai voulu nettoyer le frigo de ce bureau des élèves. Et j'avais oublié mes lunettes ce jour-là. Alors j'ouvre ce frigo, pas de lumière. Oh zut, j'ai dit, là, l'ampoule s'est grillée. Il faudra que je dise à Seb de la remplacer, qu'il est si brave cet homme. Mais attendez, je mets la main quand même là-dedans, pour, au cas où ce serait été qu'un faux contact. Eh bien oui, messieurs, dames, dans une école d'ingénieurs, même là, il peut y avoir des faux contacts. Hein. Une fois, je faisais le ménage dans une salle de cours et j'ai entendu deux élèves qui passaient dans le couloir, un garçon et une fille. Et lui, il lui disait, elle a dit, ça te dirait de coucher avec moi ce soir? Et elle, non, pas du tout, hein. Faux contact. Qu'est-ce que vous voulez? Et alors, je vous dis, je mets la main, dites, qu'est-ce que je touche? Vous n'allez pas me croire. Un nombril! Un nombril, j'ai fait un bond comme ça. Vous auriez vu le bond que j'ai fait. On aurait dit Strauss-Kahn à qui on annonçait l'arrivée de sa nouvelle femme de chambre. Et c'était ce couillon d'Éric qui me fait dire qu'il se déguisait en frigo et il faisait ses essais. C'est moi, madame, il me dit, en sortant la tête par en haut et les bras par les côtés. Il était entre Duguay Klein et Paul Émile Victor, écoute, qui était ingénieur d'ailleurs. Paul Émile Victor, pas Duguay Klein. Duguay Klein, il était militaire, alors autant vous dire qu'il n'avait pas inventé la poudre.
Mais Paul-Émile Victor, il avait fait l'école centrale de Lyon. Et puis, c'était un rigolo, c'était une tronche, cet homme, mais il savait rire. Et il aurait été bien avec vous à votre semaine blanche là-bas. Et il avait traversé le Groenland en traînant à chien. Alors, il aurait pu traverser un Polytech en baignoire à roulettes. Il était parti en Antarctique étudier les phoques, cet homme. Alors, il aurait pu partir avec vous dans les Alpes étudier les pingouins. On rigole, c'est pour mettre l'ambiance. Vous voyez, on parle de pingouins, voilà, la glace est rompue. Ça marche à tous les coups. Non, mais Paul-Émile Victor, c'était un bon. Hein. Moi, je ne l'ai pas connu, moi, hein, Paul-Émile Victor. On me l'a dit. Moi, j'ai connu un Victor, mais alors, lui, il risquait rien d'être ingénieur, peu cher. Oh, c'était le fils de mes voisins. Comme il disait Raymond, mon mari, il a une tête, elle ne lui sert qu'à porter les cheveux. Il a le cerveau qui résonne quand il marche. Alors, vous pensez quand il parle? Mais bon, il faut dire que c'est pas de sa faute, ce jeune. Il est né avant terme. Et il est né à un mois et demi. Et oui, peu cher. Et il lui manquait 7 mois et demi. Il manque de bol, il n'y avait plus de place libre en couveuse à l'hôpital de Béziers. Et bien, ils l'ont mis en couveuse à la cave coopérative à Pézenas. Au vin Molière, pendant 7 mois et demi, perfusé au rosé. Alors, vous pensez, depuis... Et il a le QI qui touche le RSA. Il est en fin de droit. Comme disait le directeur de notre école, il est d'une ignorance encyclopédique, ce jeune. Ouh, heureusement pour lui, il y a eu la police municipale. Ça l'a sauvé. Et j'ai dit une bêtise, hein? Ils l'ont pris sur dossier, ils l'ont pris. Et sa mère a été soulagée, hein, ou la pauvre femme, elle se faisait des soucis. Elle s'est dit, eh ben ma foi, il est rentré dans la police, tant mieux, le disait cette femme. Et plutôt que de rester à la maison sans rien faire, eh ben, autant qu'il fasse rien en travaillant. Bon, allez. Monsieur Richard, c'est à vous pour la suite. Oh, il est brave aussi celui-là, cet homme. Hein. Venez, monsieur. Hey, monsieur Richard, hey, je vous laisse juge du parquet. On rigole, on est à Polytech, il y a une bonne ambiance. On travaille, mais on rigole. À tout à l'heure. Merci, madame. Ma fille.